Et là, bah non, mais je suis désolé, mais on a fait du bon boulot. Oh quoi? Non! Ah, il revient! Le tour du monde! C'est le tour du monde! Il lui a fait la technique du tour du monde! Ah, je peux vous raser le sang? Les plantes, pour s'hydrater, puisent de l'eau dans le sol. Oui, voilà, de l'eau. Je vois que tu es déjà fan de Black Clover Mobile Rise of the Wizard King, le super RPG au tour par tour qui va sortir le 30 novembre. Hi. Le jeu est basé sur le célèbre animé Black Clover et reprend son histoire et ses personnages, avec des modèles 3D et des animations de grande qualité pour chaque personnage. Et il y a même les doubleurs originaux. Ça va me rappeler quand je regardais les épisodes sous la couette avec un bon thé chaud en suivant les aventures de Asta et Yuno. Oh, toi t'as jamais regardé l'animé, c'est ça? Non. Et bah c'est pas grave, parce que même sans ça tu peux jouer au jeu. Vous pouvez recruter une multitude de chevaliers magiques pour assembler une équipe exclusive et commencer les combats. Invoquez-en des nouveaux ou upgradez vos préférés. Je vois sur votre CV que vous avez déjà vaincu plus d'une dizaine d'ennemis et que vous avez aussi fait de la mise en rayon chez Carrefour pendant 2 ans. Pour moi, vous avez votre place dans l'équipe. Il y a plein de types de combats différents à découvrir. Les quêtes qui suivent l'histoire de l'animé, les raids pour des challenges avancés, le Memory Hall pour combattre des boss, l'arena pour le PVP et plus encore. Mais il me faudrait plus d'une vie pour profiter de tous ces contenus. Et tout ça dans un open world hyper riche. Mais est-ce qu'on peut y pêcher? Oui. C'est donc le GOTY. Préenregistrez-vous avec le lien dans la description ou en scannant le QR code à l'écran. Vous obtiendrez 30 tirages, le personnage SR Mimosa et un skin exclusif Mimosa au lancement du jeu le 30 novembre. Et en réservant sa place maintenant, il y a même des chances de gagner un iPhone 15. Fredo Potato Watsu Desu. Qu'est-ce que t'as dit? Aucune idée. En fait, ce qui me fait rire, c'est que le premier titre avec lequel le live était lancé, c'était « On teste le nouveau Assassin's Creed » et les gens arrivent et ils voient « Hairdresser Simulator » et ça me tabasse. Voilà, je trouve ça très drôle. Ouais, c'est réel. Il y a du français sur cette... J'en sais rien, mais le son est atroce. Ça le son dans le... Exactement, ce son là. Tu es prêt pour ta nouvelle aventure de coiffeur? Ouais. Fallait peut-être redémarrer le jeu pour être en français. Oh, j'ai dit le français, on s'en fout, non? Oh bah attends, bon. Les termes techniques de la coiffure. Il y a les ciseaux machin. Attention, apprends d'où la coiffure. Non, non, mais moi je me permettrai jamais de juger la coiffure. Hein. Y a pas de... Sinon j'appelle ma mère et tu t'expliques. Bah je sais, et j'ai pas envie de m'expliquer avec ta mère. Je pense que ça... je me chierai dessus tout de suite. Donc je vais pas... Ah, j'espère on skip tout, c'est bon. On fait toujours qu'on s'en branle. On s'en branle. On n'est pas là pour ça. Quoi? On n'est pas là pour ça. Je vais le dire à ta mère. Je vais te dire à ta mère, t'en as rien à foutre de l'univers de la coiffure. On s'en fout de l'histoire, ce qu'on veut c'est coiffer. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Bah c'est moche ça, on va faire en sorte que ce soit mieux. Ouais, mais là le problème c'est que c'est pas que la coupe de cheveux quoi, on va pas pouvoir changer le visage hein. Je vais lui faire un petit shampoing avec massage. Ta gueule. Ta gueule. Ouais. Ta gueule. La règle du salon c'est qu'on ferme sa gueule. Bah donc on va prendre... Plus la... moins que laver le visage quoi. Oh. Ah non, pas le visage. Non, non, pas le visage. Oh, vous êtes vilaine. Oh, vous avez la peau grasse. C'est une peau bien grasse. On lave tout ça. Faut la traiter, hein. Attention, ça, quand ça coule dans les yeux. On n'a pas pensé à lui demander si la température était bonne. Ah oui, et moi, si on me demande pas, c'est 0 sur 20. On me l'a toujours demandé. Alors, si un jour quelqu'un oublie, je peux te dire que ça va chier. Moi, je pars sans payer à chaque fois. Si jamais on m'a pas demandé comment était la température de l'eau. Mais est-ce que si elle est pas bien, tu le dis? Non. Si c'est ma mère, j'hésite pas à dire. C'est trop chaud. C'est trop froid. Si c'est jamais un coiffeur à Paris, je fais parfait. Même si elle est à 70 degrés. Hein. Ouais, moi aussi, c'est très bien. T'es ébouillanté. Très bien. Je reviens. Tu peux prendre le contrôle si tu veux. J'ai 2 secondes. Ah, mais il part faire son truc, là. Ou alors il va faire caca. Je sais pas. Et voilà, moi aussi, je me fais mon petit soin. Ah, parce que je me suis dit, il va faire caca ou est-ce qu'il va faire le truc? Non, je fais mon truc. C'est un secret du coup? Non, c'est pas un secret. C'est pas un secret, t'es sûr? Non, c'est pas un secret. Tu l'as déjà dit? Ouais, je l'ai dit. Attends, parce que t'as deux solutions. Soit t'es un homme, soit t'es Squeezie. Ah non, 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 moi j'ai dit, ce sera pas un secret. Genre, c'est trop chiant de cacher ça, genre ça casse les couilles. Bah disons que tu peux le faire. Mais après non. Tu te retrouves bah, non, comme certains chiant. Où les gens font, bah ça se voit là. Du coup, ils m'ont dessiné ce que vous voyez là. Et là, bien sûr. On a regardé ensemble. En fait, ils m'ont dit, vous voulez quoi? Et moi, je leur ai dit, mais j'en sais rien, en fait. En fait, genre, j'aimerais être comme avant, je sais pas, genre... Et ils m'ont dit, de toute façon, et ça, je ne l'oublierai jamais, et ne l'oubliez jamais. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, vous ne retrouverez jamais l'implantation que vous aviez avant, monsieur. Vous n'aurez jamais l'implantation de vos 20 ans, parce que les rides du visage... progressent sur le visage. Et si je vous fais une implantation plus basse, quand vous sourirez,
ou que vous serez surpris. Vos cheveux bougeront. Et c'est impossible. Parce que ce serait bizarre. Attends, est-ce que là t'as la tête au carré? Est-ce que c'est hyper gonflé? Non, pas du tout. En vrai, c'est même pas impressionnant. Ouais, mais normalement ton crâne est censé gonfler à cause de l'opération. Oui, enfin ça c'est peut-être en Turquie, mais ici en France, tu sais, on travaille bien. J'ai pas oublié d'aller. Ça c'est vrai, tu l'as fait en France. Ah, je l'ai fait en France, je peux te dire que je ne gonfle absolument pas, il y a aucun problème. Mais attendez, je sais pas si on voit la photo d'Yas encore, qui est revenu de Turquie pour se faire greffer des cheveux et il a la tête qui est gonflée comme une pastèque. Où est-il ? Moi, on m'a dit, il est possible que tes paupières gonflent un peu si tu dors à plat. Et donc moi, je dors quasi assis, quoi. Il a peut-être oublié de s'asseoir, Yas, encore. Bah alors. Attends, faut ça a duré combien de temps l'opération? Attends, déjà, t'étais endormi ou t'étais réveillé? J'étais... Non mais je raconte ma greffe capillaire en jouant en Hairdresser Simulator. Ça, c'est pas excellent, putain. Ça a duré 2 heures de... comment on appelle ça? Une cueillette? Un prélèvement? 2 heures de prélèvement sur une bande derrière mon crâne, quoi. 2500 greffons. Ah ouais, monsieur dame, quand même. Et 3 heures de greffe. 3 heures? C'est en local, donc c'est-à-dire que t'es réveillé? T'es réveillé et tu te fais vraiment chier la bite. Mais du coup, comment les gens vont faire pour la blague? Parce que la blague que tout le monde fait, c'est dire « Ah, t'as été en Turquie ?» Vu que t'as été en France, les gens s'y font la blague de « T'as été en France ?» La blague marche plus. T'as été en France dans une clinique hyper chère. Ah, ça coûte combien d'ailleurs? Bon, ouais, c'est bon. 5000 euros. C'est tout? C'est tout, mec. Pourquoi ils vont pas en France? Mais pourquoi? Attends. Alors, oui, c'est cher, mais quand pourquoi même. Les influenceurs... Non, mais pour un influenceur, je veux dire, les mecs qui vont en Turquie... Alors qu'ils font des OP plusieurs à 15K, 20K. En tout cas, pour une calvitie qui est pas massive, genre bah 2500 greffons, tu vois, genre, moi massive. C'est... Moi... Elle est énorme. Elle était belle. Elle est toujours belle d'ailleurs. Elle est toujours là. Dis donc, tu lui fais une belle... J'ai fait bicolore. Attends, mais c'est la version définitive là? Je pensais qu'elle était décolorée que t'allais finir. Bah, c'est ce qu'elle a demandé? J'ai fait du bicolore. Elle a pas demandé, on va laisser choisir. Voilà, vous êtes toutes belles. Voilà. On peut écarter quand même par contre sur le devant. Maintenant elle aura un bon et un mauvais profil. Putain, elle est trop contente, regarde la gueule café. Je me sens persécutée. Eh bah elle est plus belle en dessin hein. Est-ce qu'on peut se faire un salon de fou et tout là? C'est ça qui nous intéresse. Oh non, on est voisins de... On va pas ouvrir une charcuterie, on est coiffeur. Ah putain, on a racheté une charcuterie. Oh mais l'odeur, oui. L'odeur dans les murs. On a un salon, ok, c'est quoi notre clientèle? Déjà c'est mixte. C'est mixte. Pourquoi les salons de coiffure font femmes exclusivement ou hommes exclusivement? Pour dire, tu vois, nous on fait que femmes, mais on le fait hyper bien. Tu fais l'impasse sur 50% de ta clientèle, et en plus, tu peux très bien t'occuper d'hommes et de femmes. Ouais, bien sûr, mais c'est comme dire, je vais vendre des pizzas et des sushis pour toucher tu touches deux races, quoi, mais je veux dire, un peu plus vite. On est un centre de coiffure. Est-ce qu'on a un centre de coiffure jeu de mots? Ah, tu vois, genre, ah oui, c'est, genre, c'est vrai, c'est obligatoire. C'est dans l'air. Ouais, c'est vrai. Ou... Tu vois, ce genre de, salon de coiffure qu'on voit souvent par chez nous. Alors attends. Je veux pas. Qu'est-ce que tu penses déjà des salons de coiffure qui font des jeux de mots? Attention. Là, je fais un guess là. Là, je fais un guess parce que. C'est pile ou face parce là. Est-ce que sa mère a voulu être drôle? Je sais pas. C'est. Moi, j'en pense que ça me rebute. Enfin, je n'irai jamais. Je ne rentre pas, personnellement. Je veux pas. Bon, ma mère, elle avait juste salon de coiffure et c'était le nom, son nom et son prénom. Putain, ça, c'est, ça, c'est professionnel. On écoute vos jeux de mots. T'as proposé quoi, Marcel? Masterclass. Masterclass, c'est pas mal. Masterclass, c'est pas mal quand même. C'est bon, on a notre boucherie. Oh merde, vas-y, bah nettoie. Je veux bien tout faire, mais là. Il me redonne les. Lui, il fait les petites coiffures aux donzelles. Non, mais moi, c'est quand? Parce que ça lag. Je peux pas. Moi, je dois vider les cornichons, l'enculé. Mais on peut se servir des crocs de boucher comme d'un porte-manteau. C'est vrai qu'on pourrait faire de la récup, hein. Bah, c'est de la récup, faut penser malin. Ça, on va trouver une utilité. Bah, ce sera le bac pour laver les cheveux des gens. J'ai acheté un robot qui lave les vitres. Mais il a des robots pour tout, celui-là. J'ai aussi acheté le robot de cuisine, finalement, le Thermomix FB6, là. Je disais ça juste parce qu'il avait un robot aspirateur, je disais, je suis con de dire ça, mais non, il a vraiment tous les robots. Mais ça se présente comment, ça? Je connais même pas. Alors, si tu veux, je t'envoie les vidéos que j'envoyais à ma mère. Oui. Oui, je veux les voir. Parce que attends, je connais pas, moi. T'es vraiment dans le futur, toi. Sur ton crâne, ils ont vraiment fait comme sur un champ, quoi. Ah oui, oui. On va prendre une graine et on l'enfonce. J'entendais dans mon crâne, ça faisait pouic, pouic. Fois des milliers de fois. Hop, là monsieur Turel, on va arroser avec de l'engrais, vous laissez reposer. Bah c'est ce que je vais faire, ça c'est trop chiant. Pendant 6 mois je dois arroser. Oh.
Je dois arroser pendant 6 mois avec un spray. Ça me casse les couilles. Hein. Vous avez peut-être pas compris, mais toutes les 30 minutes, il doit s'arroser le crâne. Je dois m'arroser le crâne avec de l'eau. Voilà. D'accord, mais regarde sur WhatsApp, je t'ai envoyé mes deux petites vidéos de présentation. Alors la première, elle te montre le robot en fonctionnement, et la deuxième, elle te montre le résultat avant-après. Tu as vu le avant-après? T'es un mec très convaincu par son. Bah, il fallait que je montre la différence parce qu'on pourrait avant, ne pas me croire. Oh, c'est sale. Oh, c'est propre. Non, mais ce qui est. Je vais être trop fier. Bah, je vais l'envoyer à maman. Oh, bah là, elle va être contente. Elle va peut-être même l'acheter. Hey, est-ce que tu rentres ici, toi? Bah, j'avais de la vie. Attends, on dirait un serial killer. On dirait un escape game. C'est quoi? Ouais, c'est quoi ça? C'est tout. Oh, bah oui, vous venez pour tondre ça? Oh oui, bah je peux comprendre. Par contre, c'est le salon, ferme ta gueule. Voilà. Toujours. Un centimètre, ça ouvre un centimètre? De toute façon, c'est trop tard. Allez. Mais c'est moi ou il veut que je le fasse à blond parce que ça m'intéresse pas? J'allais lui proposer un petit dégradé là. Bah ouais, là, c'est merdique ce que tu fais là. Mais non, c'est pas merdique, c'est juste que. Tu proposes aucune. Je vous laisse la mèche à l'avant, ça vous va? Ça fait comme ça fait un peu rebelle. Oh, c'est beau. Attends. Oh. Bah de toute façon, c'était trop tard. T'avais pas répondu. On peut commencer de dégrader, mais oh la vache. C'est vraiment le salon ferme ta gueule, il faut deviner en fonction de ses réactions ce qu'il voulait. Ah, c'est l'heure d'arroser les plantes. Allez, on arrose. 100 balles pour ça? 100 balles? 100 balles? Mais vous pouvez le faire lui-même! Ah ouais, vous ressemblez à rien, vous. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Bah, elle, tu lui fais ce que tu veux. Ce que je veux? Coupe de cheveux, coloration, ce que tu veux. Ok. Mais respecte la cliente. C'est tout ce qu'on te demande. Mais je respecte toujours les clients. Eh, est-ce qu'on tenterait pas les coiffures à deux niveaux? Non, tu fais là, vu ça. Et tu reviens. T'as jamais vu ça? Je vais te montrer, tout simplement, non, mais ce que ça fait. Ça n'existe pas. Si, ça existe, regarde. Mais là, c'est bah pas... Non, parce tu repars bien là. Là, on dirait crackhead. Bah oui, on dirait une crackhead maintenant. Mais pas du tout, regarde. T'as jamais vu ça. Mais là, elle a un droit de porter plainte. Hein. Et voilà. Alors, fais voir. Putain, c'est hyper... C'est très steampunk, c'est très original. Non, oh non, par contre. Oh merde. Merde. Comment je dois me retenir de pas t'insulter ta grand-mère là? Je peux vous couper ces filets de mèche. Attention, maintenant, tu coupes l'avant. Merde. Oh non! Je voulais couper les deux petites mèches! Attends, elle se rend compte de rien. Ça se trouve, t'as un coiffeur réputé, elle pense que c'est normal. Bon, après, il faudra mettre un petit coup de. Mais attends, c'est un champignon derrière là, c'est quoi derrière là? Attends, ouais, là le problème c'est qu'il faut. Oh là là, le boulot qu'on est en train de lui faire, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, d'accord. Ah ouais, non mais. En vrai, ça va? Est-ce qu'on mettrait pas un peu de couleur dans tout ça? Bah si, on fait une coloration. Faites voir. Je vous en remets une couche. Oh bah d'accord, la technique du parapluie, c'est juste les deux devant et derrière on laisse. Je regrette, c'est horrible. Je lui dis l'envoyer pas, au bac la dame là. Bah je l'envoie au bac. Ça va devant. Vous venez là. Qui t'a fait descendre. Mets ton cul là, allez tu te dépêches. Voilà. T'as vu ce geste de professionnel. Fais-lui des cœurs là à l'avant là, avec un fer. Ils font comme ça. Oui, ils secouent comme ça. On va vous faire des cœurs là, je suis expert en cœurs. Voilà, tu les fais à l'avant. Super! Ouais, c'est super, voir ce qu'on est en train de faire. Oh là là! Oh le travail de champion! Une princesse, c'est magnifique. Elle a des cheveux en dessous qui sont pas du tout colorés, quoi. C'est juste bizarre là, non? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça! Ah, regardez-moi ça! Mais regarde! Voilà, une coupe un peu. Voilà, un peu. Un peu d'effet, un peu de mouvement là. Voilà, un peu sauvage. Oh, purée de pommes de terre! Ouais, voilà, vous êtes une femme libérée, quoi. Ouais, c'est superbe! Voilà. Là, vous avez du caractère là. Ouais, c'est la Fashion Week! Voilà, c'est un. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une soucoupe volante. Putain, mais c'est des cheveux à couper. Tu sens le coiffeur qui ne sait plus quoi faire pour rattraper sa catastrophe. En fait, c'est quoi? Vas-y, donne-la moi, je veux tenter un truc depuis le début. Un truc que personne n'a fait. Et je me suis toujours dit, ça peut être un banger. Ah, comme ma coiffure à étage que t'as pas aimé? Putain, c'est hyper. C'est très steampunk, c'est très original. Oh merde! Non, merde! Non, toi, c'était foutu. Bah, moi, ma coiffure à étage, quand ce sera à la mode dans 50, t'auras le seum. Mais bon, après, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Non mais attends, je sais ce que je fais. Là t'as le collecté. Tu peux venir me voir à l'arrière? Qu'est-ce que tu... Stéphane, tu peux venir me voir en 10 secondes? Stéphane, qu'est-ce que tu fais à la dame? Tu lui as demandé? Oh, attends. Oui, non mais quoi? Attends, comme s'il avait rien fait encore. Comme si il n'y avait pas de soucis là, c'est bon. Ok. Une queue de cheval sur quelqu'un de rasé. Audacieux. Pas vous mentir, je sais pas comment on fait les dégradés. Wow. Voilà, c'est. De l'eau, ça va. Pour qu'elle ferme les yeux, ça va. Je donne à ce dégradé la note de 2 sur 10. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. En fait, c'est à cause de la base. Je vois bien ce qui vous fait tiquer. Ouais. C'est la base. C'est bien, t'as qu'à reprendre. Voilà, tu reprends là, comme ça. En fait, c'est à cause de la base. J'ai pas su arrêter le mouvement.
Ah bah là, faut symétrie, faut une symétrie. Hein. Là, faut que ce soit pareil de l'autre côté. Là. Attention, on part en une fois, malheureux. Ça part à droite, tellement fort. Mets-lui de l'eau dans les yeux. Mais fais-lui fermer les yeux, Ça va les yeux. Attends, ça va le faire. J'ai pas fini, hein, c'est que le début de la coupe. Hein. C'était ça ton idée de génie ou ça a un peu changé entre temps? Non, je voulais faire en gros mulet, ouais. Mais dégradé. Ah ouais? Bon bah c'est pas une catastrophe. Attends. C'est pas une catastrophe. On s'en sort bien. Ouais, ça va. Pas ah, un nouveau projet. Ah bah voilà. Asseyez-vous. Je vous ai trouvé sale, du coup on va vous faire un shampoing. Ouais, shampoing bien comme il faut. Hein. Ouais, puis après shampoing et tout, hein, la totale, parce que s'il y a du. Ah ouais. Faut rattraper le. Pelliculaire, puis tu fais un traitement contre les punaises de lit aussi, on sait jamais. Il a des punaises de lit dans les cheveux, c'est une première. Voilà, puis faites ça chez vous, hein, vous frottez bien chez vous, parce que là c'est une catastrophe. Il a une tête. Bon, attendez, n'en disons pas plus, on va au siège. Allez hop. Il s'appelle Ludovic. Allez, on y va. Oh putain. Là, genre là. C'est un truc qui pend un peu mais court. Genre tout le tour là, à cette hauteur. Tu vois, long mais pas long, tu vois. Je pars dessus. Ah, tu peux continuer ça, le petit tour, je dois m'arroser. Oui, très bien. Enfin, je fais ce que tu faisais, hein. Pas si c'est très droit, mais c'est pas moi qui ai décidé de la coupe de merde. Ok. Pour l'instant, voilà. On lui a fait un chapeau. C'est... Ah, tu te démerdes. Voilà. Moi, je suis pas responsable de ça. Qu'est-ce que alors, c'est ? En fait, je ne sais pas, je sais pas où aller parce que je n'ai jamais vu ça. Mais je savais que j'avais une idée de génie au sens où j'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce que t'es en train de attends, faire ? Attends, c'est parce qu'on lui a pas séché les cheveux. Tu sais que le pauvre Ludo, il va aller au taf demain, tout le monde va se foutre de sa gueule. Hein. Mais non, tout le monde va dire, bah tu vois, finalement, c'est pas mal, Ludo. C'est parce que tu l'as pas vu sec, en fait. Oui ! Mais c'est un massacre. Quoi ? Ok, je vais faire comme si j'ai rien entendu. Il y a pas de goût. Attends. On dirait un villageois. Oh là, étranger. Non, là... c'est pas mal, hein. Il le coiffe en le regardant. Ouais, c'est bien. Hein. Ça, c'est bien, ça. Hein. Non, c'est bien, je vous assure. Non, mais c'est bien, ça a été bien fait. Tu vois, des fois, faut pas aller trop loin, tu sais, genre... Là, on va rajouter de la couleur, on va raser. Non, franchement, est-ce que ça suffit pas? Tu rajouterais quelque chose, toi? Moi, je trouve ça déjà bien. Ah bah non, bah là, en fait, tu sais, c'est horrible, mais bah, il me fait penser à un juif. Je l'ai fait juif? Ouais, tu sais, on dirait qu'ils ont les petits bigoudis sur les côtés des cheveux. Oui, c'est vrai, je suis parti un peu là-dessus. Moi, j'ai fini. Hein. Je sais pas si tu ouais, non, mais attends. Bah, si je peux aller au bout. Oui, vas-y, t'es en train de ruiner mon art, là. Mais il n'est plus juif? Au contraire. Ah, ça y est, c'est bon. Saved. C'est bon. C'est tout l'inverse. Il l'est. C'est bon. Bah oui, voilà. Regardez comment vous êtes tout gay. Bah voilà. Oh, la tête qui fait, ça se voit, il est pas rassuré. Il est dans sa tête, il dit, mais je ne suis pas juif. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Oh là, c'est catastrophe derrière, t'as mal fait le massacre. Et voilà. Bon, parfait. Ouais, c'est un super boulot. Ça n'a pris que bien trop de temps, je vais vous laisser partir. Alors qui hey, se on a... tout beau tout propre. Alors... On a beau dire, c'est propre, hein.